sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques jours, je vous ai annoncé qu'on avait signé un beau mandat avec Rebellion Timepieces. Rebellion, c'est une marque de montres de luxe suisse qui sponsorise un événement qui s'appelle les 24 heures de Spa. En gros, c'est comme les 24 heures du Mans, mais sauf que c'est à Spa en Belgique. Et c'est le circuit de Spa Francorchamps, un circuit juste légendaire, magnifique. Donc on est venu ici maintenant avec une partie de la team d'air. Et en gros, c'est une mission complète pour shooting photo et vidéo. Il y a le pou qui m'a rejoint aussi, pour un poil plus d'ambiance. Et il y a un truc qu'il faut que je vous montre. J'ai commandé pour toute la team des casquettes brandées avec le logo de l'agence dessus. Comme ça maintenant, on a doudoune d'hiver, on a les t-shirts, l'agence d'air avec l'écriture en jaune fluo pour pas nous rater. Et on a maintenant des casquettes. Ça devient cool, sérieux, kiffant. Et j'ai envie de dire, c'est parti pour une semaine de shooting en Belgique pour les 24 heures de Spa. On vient d'arriver juste maintenant à l'hôtel et on a à peine eu le temps de poser les bagages dans la chambre. Qu'il faut déjà qu'on parte maintenant, on a un programme super tight sur la semaine et on doit shooter ce soir une vidéo qui s'appelle un spa à spa. Et vous l'aurez deviné, le trip de Rebellion, c'est d'installer un jacuzzi sur le circuit à spa pour faire une vidéo qui s'appelle un spa à spa. On bosse pour Rebellion, Timepieces. Ouais, vous pouvez aller vous garer au P14. On a reçu une note parce qu'on va mettre un jacuzzi sur le circuit là. Et du coup, il est dans la caisse derrière. Barrière verte, juste avant, prenez à droite, vous suivez la route et vous arrivez chez Nicolas. Ok, super, merci, ciao. Bon, on vient d'arriver juste maintenant, près du circuit. On doit récupérer nos badges parce qu'on a des passes pour avoir accès à tout le paddock, les loges. Oh putain, si vous fait. Il a dit où, c'est où les... Je crois qu'il faut aller là en bas. Et après, d'après ce qu'on a compris, on va pouvoir prendre la voiture et aller sur le circuit parce que c'est nous qui avons transporté le jacuzzi jusqu'ici. Donc on pourra rouler avec la bagnole, je crois au milieu du circuit par là. C'est ouf. I'll set up the beat. Tell the engineer they're gonna turn up the drums. What you know about the 808 under the 809 making everybody jump? Easy, I'm motivated. I got the feeling this is overrated. Give me the record, I'm overbreaking. Man, I've been working harder to be beyond the greatest, and I'm cold. Et la voiture en plus sur le côté. Bah, du coup, tu dis jacuzzi, il sera tu veux quoi, par là? Faut pas qu'il mette là, alors faut qu'il mette au milieu. Le plus au centre qu'on peut. Si possible, le jacuzzi le plus au centre possible. C'est toi qui décide. Ouais. Ce qui est quand même ouf, c'est qu'on est à Spa, sur le célèbre circuit de Spa, sur la vue putain de célèbre. Et on s'apprête à poser un putain de jacuzzi sur le circuit. La vie est folle, la vie est juste folle. Il est temps maintenant de prendre des photos et une vidéo assez cool sur le jacuzzi installé sur Spa. C'est le virage le plus célèbre vraiment du circuit. Du coup, j'aurais besoin maintenant de cette caméra. J'ai pris une autre petite caméra, une sorte de point shoot, un tout petit. Du coup, maintenant, je vais prendre ma grosse lens, la mettre sur la caméra. Et commencer à shooter. And the feeling is mutual, served them a platter nobody was used to. Carved out an inch, put a whip on the track and his gas till the brakes gave our brothers get used to it. We done knew you a nuisance, yeah. Always giving you two cents. We done boys gave y'all some of a George for cannon. All wealthy and the flow was too rich. If you missed it, here we go with the misfits. Listen, this shit is nothing but motivation to take it to a place where you never been to. Walking through a fire that you never been to. Footprints in a day, you don't have to. The 24 hours of Spa is about to get underway. Thank you.
C'est parfait là. Merci beaucoup. Merci. Bon, jour 1, shooting terminé. C'est bon, on a ce qu'il nous faut, photo et vidéo. Maintenant, comme on le dit, après l'effort, le réconfort. Santé YouTube. Allemand. Bon, c'est parti pour le jour 2. Et aujourd'hui, on doit filmer un truc bien cool. C'est la parade des 24 heures de Spa. En gros, toutes les voitures, toutes les écuries qui vont rouler durant les 24 heures de Spa vont partir du circuit pour rouler jusqu'au village de Spa. Et du coup, on doit faire une sorte de vidéo reel un peu sur toute la parade, prendre des photos, des émotions, des gens, des voitures. Et ça s'annonce vraiment, vraiment cool. I don't care who out here playing fair. The stakes are high and I know that I'm very rare. They come like once in a lifetime, so now I'm here. So I don't gotta make a fool out of you. Step aside, really the only thing that you gotta do. Realize I don't play by the rules, I make my own now. My whole life a green light, I'm always on the go now. I'm unstoppable, baby. I'm unstoppable, baby. You're looking at the one. I'm unstoppable, baby. Let's go. I'm unstoppable, baby. You're looking at the one. C'est ouf. À partir de cet instant, j'ai juste pas réussi à reprendre la caméra. C'est pas que je voulais pas, en fait oui, un petit peu. Il y a deux éléments. Le premier, c'est que niveau focus, il fallait vraiment, vraiment que je sois focus pour le client. Il fallait être super réactif, il fallait courir à gauche, à droite pour aller prendre des photos. Et du coup, je voulais pas trop penser aux vidéos pour YouTube. Et comme deuxième élément, je vais être sincère avec vous, je voulais vraiment savourer à 2000% l'instant présent. Et ne surtout pas commencer à me dire, il faut que j'en fasse quelque chose pour YouTube. En termes d'expérience humaine, je pense que c'était une des top 3 expériences de ma vie. C'était vraiment juste extraordinaire à vivre ça. C'était stressant, c'était super excitant avec la team. On s'est créé des souvenirs et des liens ensemble juste, mais inimaginables. Et franchement, je suis tellement, tellement reconnaissant d'avoir eu la chance de vivre cet événement avec ma team. C'était fou. Vraiment, en termes d'expérience, c'était juste, mais c'est super dur à le décrire. Mais c'est un event qui est tellement, tellement intense. Vous dire, pendant 24 heures, il y a plus de 60 écuries qui roulent pour gagner le prix à la fin. Et c'est ouf, quoi, parce que c'est dangereux. C'est pendant 24 heures, c'est 3 pilotes qui se relaient ensemble. Donc en termes de dépassement physique, mental et technique, c'est juste, mais hallucinant, quoi, vraiment. Et on faisait que de se dire qu'on n'avait pas le droit de se plaindre, parce que les gars, là, ils sont dans la bagnole, ils se prennent des jets en pleine gueule, ils se prennent des virages, c'est méga dangereux, il faut être super focus, mais à chaque seconde, à chaque virage, ensuite, ils ont fini de conduire, ils sortent de la bagnole, un mec prend le relais, eux, ils vont se reposer et ils recommencent après quelques heures après à reprendre la voiture pendant 24 heures, quoi. C'est juste ouf. Et notre mission, en fait, durant toute la semaine, c'était de créer un max de contenu pour Rebellion Timepieces. On a créé en tout, je crois, 7 vidéos. Il y en avait 5 en format Reel pour Instagram et 2 en format classique horizontal. Fallait shooter aussi un max de photos sur chaque event, sur l'event global, sur chacune des activations qu'il y avait. Donc c'était assez intense en termes de création de contenu, mais juste pour le kiff, je vous montre une des vidéos qu'on a faite sur la voiture qui était sponsorisée par Rebellion Timepieces, à savoir la voiture GPX Racing. Et franchement, c'est une Porsche qui était juste, mais... Et ça avait de la gueule, franchement. On avait toute la team, notre casquette d'air posée sur la tête. On se baladait avec nos caméras, nos appareils photo. On a pu aller sur les paddocks, sur le pit lane, sur le circuit en lui-même. Et franchement, je pense que les deux highlights de l'event pour moi, en tout cas, c'était samedi soir. On a pu prendre une voiture, une navette
privé qui nous a en fait posé au bord du circuit à plusieurs endroits stratégiques et on a pu en fait se poser à quelques mètres des voitures qui roulaient. Vraiment, ils arrivent à 200 km/h dans une route comme ça. En plus, il y a les disques des freins qui sont rouges, pétants, tellement ils freinent les gars, tellement c'est intense pour la voiture. Et on a pu faire des vidéos et des photos en fait de nuit et c'était juste, mais ouais, c'était fou quoi, il y avait du vent, enfin c'était juste impressionnant franchement. Et comme deuxième highlight, c'est la parade. Et vraiment, il y avait toutes les bagnoles posées comme ça sur le circuit qui ont avancé, il y avait une sorte, je sais pas, ça tremblait, il y avait tous les moteurs qui vibraient. C'était juste fou quoi, et j'étais posé là au milieu avec mon appareil photo, avec ma caméra en train de shooter. C'était juste vraiment, je me marrais tout seul à me dire mais qu'est-ce que je fous là franchement. Jamais j'aurais pensé un jour me retrouver en toutes ces bagnoles comme ça, avec toutes ces écuries, tous les mécanos, tous les gens, tous les pilotes. C'était ouf, vraiment ça m'inspire parce que c'est vraiment des teams qui œuvrent tout ensemble pour réussir à gagner. C'est pas juste les pilotes, c'est pas juste la voiture, c'est un ensemble de compétences, c'est un ensemble de personnes qui fait qu'à la fin ça fonctionne. C'est pas juste une personne, c'est vraiment un groupe complet quoi. Donc j'ai envie de dire, défi relevé pour moi. Comme j'en ai parlé, je suis pas photographe, c'est pas mon taf. C'est juste une passion que j'ai à côté et c'est la première fois de ma vie que j'accepte un mandat photo en fait, que j'accepte de prendre moi la tâche à 100% de faire des photos. Et franchement, je suis assez content du résultat. J'ai vraiment, vraiment, vraiment shooté, mais comme un fou pour être sûr de ne pas rater le shot. Et en fait, plus je shootais et plus je sentais que je commençais à maîtriser vraiment en fait le shooting de racing, parce que vraiment shooter des voitures en mouvement qui vont assez vite, c'est vraiment, vraiment un truc assez technique et assez complexe et il faut vraiment tester et encore tester pour trouver les bons paramètres à mettre. Et j'ai réussi à prendre quelques photos qui me plaisent beaucoup et qui heureusement ont aussi beaucoup plu aux clients. Je les mets juste maintenant. Maintenant, je ne vous cacherai pas que j'ai juste vraiment, vraiment besoin de vacances. Ça fait depuis décembre que j'en ai pas prise et j'ai vraiment besoin de déconnecter, de couper avec le taf. Vraiment, ça a été le sprint, mais final jusqu'au bout là. Parce qu'à la base, je devais partir en vacances la semaine passée. Du coup, j'ai repoussé d'une semaine les vacances. Et j'ai pas repoussé pour un tout petit projet, j'ai repoussé pour un truc bien costaud, bien violent. Donc demain, je publie cette vidéo, je mets les bagages dans la voiture, je monte dans la voiture, je mets le moteur en marche. Je me casse en vacances. Je prends environ 3 semaines de vacances là. Et ça va faire du bien, ça va faire du bien, et ça va faire du bien. Et là, je sens que niveau créativité, niveau énergie, j'ai besoin de recharger à fond les stocks pour revenir. Parce que je vous le dis, je sens que cette rentrée, elle va être super, super intense. Rien que pendant la semaine, on était à Spa en Belgique, j'ai reçu 3 demandes de projets pour 3 beaux projets. 1 en France, à Paris, et 2 en Suisse. Et franchement, ça s'annonce vraiment, vraiment sexy. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. J'arrive pas à garantir à 100% que je ferai des vidéos durant les vacances, mais si d'un coup je me sens inspiré et créatif, dans tous les cas je prendrai avec moi la caméra, je mettrai le bouton on et je ferai une vidéo pour vous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est vraiment que le début. Je compte bien tout documenter de A à Z et c'est un gros kiff de faire cette série avec vous. Donc merci d'être là, merci de la suivre, vraiment ça signifie beaucoup pour moi. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence. Et croyez en vos rêves, croyez en vous. Et ne cherchez pas le but final, la destination, mais plus de kiffer tout le putain de chemin. Ciao à tous.